And a step on the ladder. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Né de poussière d'étoiles il y a 4,5 milliards d'années, Jupiter était la première planète du système solaire. Tout comme son homonyme, le roi des anciens du roman, Jupiter était destiné à la grandeur. Jupiter est la cinquième planète en partant du Soleil, et la plus grande planète du système solaire avec une largeur équivalente à 11 planètes Terre. Jupiter fait deux fois la masse des autres planètes réunies, mais contrairement à la Terre et aux autres planètes telluriques, Jupiter n'a pas de surface solide. Elle n'a peut-être même pas de noyau solide, au contraire, cette planète géante pourrait avoir un centre dense, liquide, entouré par un océan d'hydrogène et d'hélium. La composition gazeuse de Jupiter peut être observée dans son atmosphère avec une épaisseur d'environ 70 km. Son atmosphère est un voile rayé, avec de nombreuses tempêtes se déplaçant à travers la planète géante. Leur couleur varie entre les tons de blanc, jaune, de brun et de rouge. Toutes issues de la composition chimique différente de chaque zone caractéristique. Emblématique de Jupiter, la planète abrite une tempête brune cramoisie qui fait rage depuis plus de 300 ans, la grande tache rouge. C'est un ensemble géant et tourbillonnant de nuages avec des vitesses de vent allant jusqu'à 640 km/h, c'est-à-dire au moins 2,5 fois plus rapide que les ouragans de catégorie 5. Flottant à des centaines de kilomètres au-dessus des tempêtes de Jupiter se trouvent environ 79 lunes, le plus grand nombre lunaire pour une planète du système solaire, du moins, jusqu'à ce que Saturne la détrône du podium suite à des découvertes récentes. Les quatre plus grandes lunes ont été découvertes par Galilée en 1610, appelées les satellites galiléens. Ils comprennent Io, le corps céleste le plus volcaniquement actif du système solaire, Ganymède, la plus grande lune du système solaire, encore plus grande que la planète Mercure, puis Callisto, Europa, qui avec Ganymède pourrait contenir des océans d'eau liquide sous leur croûte. Concernant cette dernière, très récemment, on a eu des preuves directes de la présence d'eau liquide sous la forme d'un geyser, un panache d'eau éjecté depuis le pôle sud de ce satellite Europe. Pour que la vie puisse apparaître, il faut de l'eau et d'autres éléments chimiques, et c'est là que la magnétosphère de Jupiter joue un rôle crucial. Elle achemine en effet des éléments chimiques de Io jusqu'à Europe. On pense que du soufre, du carbone et d'autres minéraux sont ainsi apportés et que le rayonnement émis par Jupiter décompose les molécules d'eau gelée à la surface d'Europe en hydrogène et en oxygène. Du coup, d'un point de vue biologique, l'important c'est qu'il y ait des éléments intéressants fabriqués à la surface. Si ces éléments parviennent dans l'océan, des organismes pourraient les apprécier. La grande collection de lunes de Jupiter n'est rendue possible que par la taille massive et l'attraction gravitationnelle de la planète la plus forte de toutes les planètes du système solaire. Cette gravité incroyable influence également les tailles des 7 autres planètes au cours des premiers jours du système solaire. Jupiter, ayant été la première planète à se former, a attiré et détruit les débris spatiaux qui auraient permis aux autres planètes de grossir. Aujourd'hui, cette force peut servir de bouclier en attirant les comètes et les astéroïdes sur la surface même de Jupiter,
les empêchant de s'écraser sur les planètes intérieures telles que la Terre. Le Soleil mis à part, Jupiter est devenu la figure principale du système solaire, gagnant ainsi sa place à la tête de cet ensemble planétaire tel un roi. Sans Jupiter, il pourrait avoir là où vous vous trouvez un gigantesque cratère de météorites. Le sort de Jupiter pourrait dépendre de celui du Soleil. Dans 4 ou 5 milliards d'années, le Soleil se dilatera en une géante rouge en avalant peut-être la Terre par la même occasion. Mais la bonne nouvelle pour Jupiter, les couches externes du Soleil pourraient s'étendre jusqu'à la planète Mars. La Terre pourrait être engloutie et dévorée par l'expansion du Soleil. Et à ce moment-là, bien sûr, il en sera fini d'elle. Dans 5 milliards d'années, les planètes rocheuses internes se consumeront, mais que deviendra Jupiter ? Vu de Jupiter, le Soleil se transformera en une boule incandescente, mais Jupiter elle-même sera sans doute relativement épargnée. Elle pourrait perdre une partie de son atmosphère, mais elle peut se le permettre. À l'évidence, la Terre deviendra inhabitable, mais il est tout aussi évident que les régions considérées aujourd'hui comme lointaines et glacées deviendront bien plus attirantes. Il fera plus chaud et les lunes joviennes pourraient se réchauffer. Les lunes glacées contiennent pour l'instant de l'eau gelée, mais avec un soleil plus chaud, pendant des dizaines de millions d'années, ces lunes pourraient se liquéfier et Europe pourrait devenir une gigantesque goutte d'eau, un véritable océan tournant autour de Jupiter. C'est une idée stupéfiante. À ce moment-là, Europe deviendra peut-être le dernier et le meilleur refuge de la vie. Dans notre système solaire mourant, les lunes de Jupiter pourraient offrir à la vie un abri sûr. Mais même la lumière du Soleil finira par s'éteindre. Le Soleil s'effondrera sur lui-même et finira sa vie en naine blanche. On ne pourra même plus voir le Soleil depuis Jupiter, quand il entrera dans sa phase finale pour n'être plus qu'un déchet nucléaire dérivant dans l'espace. L'obscurité se refermera sur Jupiter et ses lunes. L'évolution du système solaire ne changera pas tellement son orbite. La géante gazeuse continuera à tourner autour de cette vieille naine blanche pendant des milliards d'années. Jupiter survivra, et avec elle l'espoir de la vie. S'il y a la vie sous la glace d'Europe, quelque part dans l'océan sous-glaciaire, il est possible que cette vie puisse persister, chauffée par les forces de marée de Jupiter, même quand le Soleil ne sera plus qu'une naine blanche. Jupiter existe depuis les tout premiers temps du système solaire, et elle sera encore là. Dans ses derniers instants, une bâtisseuse, une protectrice, une nourricière et une survivante, elle a façonné le système solaire tel que nous le connaissons aujourd'hui, et rend la vie possible sur Terre, et peut-être même ailleurs.